sont pris par la rapidité de l'évolution. C'est comme rapport en bas avec les orbites et la cavité nasale. Et divisé en deux espaces par la fonte du cerveau. Contient le foramen urbain. Donc, VCD. L'étage moyen de la masse de l'âme. Ils sont créés par le processus cristallin. Ils sont créés par. Et limités par l'arrière par le rocher. Et limité en avant par les grands industriels. Contient les sinus cavernes. Contient le polygone de Lewis. Bien sûr. Le polygone de Lewis, il en trouve la cellule. L'étage postérieur de la base du crâne. Limité en arrière par les cailles de la occipitale. Et divisé en deux étages par la pompe du cervelet. Étage. Suspendoriel. Étage suspendoriel. Contient le confluent des sinus. Contient le siphon carotidien. Oui, le siphon carotidien. Et centré par le foramen occipital. Où est le foramen d'accord? Bon. La durbère crânienne. Et ce n'est donc pas accolé à la voûte crânienne. La durbère crânienne est solidement accolée à la voûte crânienne. La gène solidement accolée à la voûte crânienne. Alors, on va d'abord le débâche. Là, on a dit une question. Je trouve les rades à la vie dans l'espace extérieur. Ça, ça fait un sa grande circonférence s'insère en avant sur le processus.
consiste. Oui, bonjour, madame. Christa Gannet, bonjour. Oui, madame. Postérieure, madame, prend l'essence au niveau du processus pyloïde. Bon, le pays d'Avage, là. Pyloïde, le processus pyloïde. Divise l'étage postérieur en plan sagittal. Transversal. Sa base contient le sinus 3. Sa base contient, voyez vous voyez, la base. Elle contient le sinus 3. C'est par le cervelet de l'ordre occipital. C'est par la face supérieure du cervelet et la face intérieure de l'ordre occipital. Son bord antérieur forme le foramen ovale de la queue. L'espace extraplanaire existe entre la jambère et la rachidite. Entre l'os et la jambe. C'est un espace virtuel au niveau de la voûte crânienne. Il est inexistant au niveau de la base du crâne. Il contient les artères méningées. Il peut être un siège de l'hématome qui représente une région transchirurgicale. Elle a ce l'hématome qui s'appelle la chaîne de caractéristiques. J'ai pas une grande fois ce crâne. Je vois l'examen à ce niveau. Entre la jambère et la chimère.
traversé par la tête cérébrale avant de notre accouchement dans les sinus veineux. On avait vu plus aujourd'hui, il fallait se battre. J'ai une sinus. Et donc, j'ai une journée. Donc, j'ai dit, attends, on traverse l'espace à une journée. Il a répondu une journée. Donc, ils vont traverser l'espace sous-sultural. D'ailleurs, en traversant l'espace sous-sultural, là, je me dis, là, je me suis dit, c'est très bien, au lieu d'avoir la terre qui est éclairée, qui est plus belle et plus belle, et l'écoulement vers le long va permettre la constitution de l'hématome sous-sultural. Pas comme le sous-sultural plus pur, alors je ne vais pas le poser. C'est pas grave. Et là, je dis que le sous-sultural est plus et plus comprimé. Donc, je ne sais pas. Peut-être le siège de l'hématome qui est en prison sur une chose non chirurgicale. Oui. Je suis en train d'adapter à l'échec d'urgence ou mettre à telle urgence ou mettre l'échec d'urgence. Sous l'urgence. Marche à l'urgence. Allez, acheter ici. Hypertension, hyperplasie. Peut-être le siège d'un hématome qui se développe très rapidement. Il est traversé par les artères cérébrales. Jamais. Par les veines. Vous prenez le plus grand des travées. Ah, un hématome, ça, c'est dur. C'est un hématome sous durable. Avec sa forme en croissance qui épouse. Alors le problème d'abord, tu vois, on a un peu de temps, c'est pas bien compliqué. La nef, il va prendre une perte spontanée, etc. Pas mal, on va qui peut laver. Donc, plus latéral, moi, il est lavé. Alors, ça donne pas mal d'espace sous-dural. L'espace sous-dural, tu peux aller à. Comment vous avez dit? C'est une hyperdensité dans les choses qui sont bien évidemment. Ouais. Ça arrive. Comme la déviation de la ligne médiane. Je vous fais la déviation de la structure médiane. Il y a deux balles, la structure médiane, comme la déviation, l'équilibre. Et là, je parlais à un engagement. Là, j'ai une petite déclaration de la carte d'engagement qui va 5,5 ans, 10. Elle est un peu bas. Elle est au début de la France, elle va là, au début de la France, elle va là. Elle, c'est le temps temporal du contribut latéral. On voit un petit crash, je crois, pourquoi par l'effet de masse? Compression, il est déjà un petit peu de temps. Je ne suis pas le lien. Donc, là, il faut rendre la première. Je regarde. Il y a un premier mot qui est un peu. Ça, on est l'espace serré avec petit. Le cinquième, c'est la proposition temporale, juste plus là-bas. Ça, on a dit que l'effet de masse, comme lié à la cinquième, c'est la proposition temporale, s'engage. Il faut rendre la première papier. Par compression, par une compression par du même côté, quand même, la charte de l'équilibre collatéral. Donc là, vous avez dit que la charte de l'équilibre collatéral, la charte de l'équilibre du même côté que la lésion. L'équilibre maintenant, l'équilibre, chez le dora, je vois les signes d'engagement pour la cinquième, ça commence à prendre mal. C'est pas encore le cas. Donc, par l'équilibre, dans un contexte, regarde, on va mettre ici. Elle est là. Tu m'en as assez vite. Oui. Elle est adhérente à la face interne de la durmère. Oui. Là, je crois qu'on avait fait adhère à la face en fond de la durmère. Elle envoie des vélocités qui font saillir dans les sinus veineux. Oui. Elle dérive des travées vers la pinède. Oui. Elle est carrée, ça va être avec la forme de petites logettes qui sont remplies de liquide sur la base de. Elle est vascularisée par des branches qui suivent des artères ménagées. Thank you.
بلد اللي راح عليها سواء شو هي يعني اكثر من Vamos a ver, vamos a ver si hay algo.
voir qu'on nous donne juste la lettre, la déclare, on va voir la vidéo à l'intervention. Je ne crois pas à la vidéo. Je trouve l'accès de 6-5-2, malgré le 5-5, on dirait qu'il y a une suppression. Mais d'abord, du cerveau, donc pas d'abord du cerveau, il y a la loi aussi. On est à la quatrième ventricule et le tronc cérébral, et latéralement et derrière, on a l'os occipital. Le tronc cérébral, il est d'abord. Ça dit qu'on rentre dans le rapport postérieur chirurgical. Le quatrième ventricule, c'est appelé. On est à la tronc basilaire, le processus basilaire de l'os occipital, la loi cérébrale. Parce que le processus basilaire de l'os occipital est allé chez l'artère. Le tronc basilaire, c'est ça, pas le tronc basilaire. Le tronc cérébral, je contrôle le cerveau et plus particulièrement le diencéphale, la diencéphale fait partie du tronc cérébral. Et en bas, c'est la continuité avec la main. Citer les rapports, donc les romains, la dépense, citer les rapports pour le rapport de la fonte du cerveau. Comme ça, latéralement, avant, la face interne des hémisphères. En haut, je sais que vous êtes épuisé, vous allez mériter.